Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma vision pour les prochaines années. Le 10, 20, 40. Mon objectif, c'est de faire 10 000 euros de bénéfices et de travailler seulement 20 heures par semaine et d'atteindre cet objectif à 40 ans. Je vais vous expliquer pourquoi ces chiffres et pourquoi ça a été important pour moi de donner des chiffres, des nombres à ma vision. Le 10, pourquoi 10 000 ? Parce que quand on fait 10 000 euros de bénéfices, il y a la moitié qui part en cotisation et aux impôts. Alors, je n'ai pas encore atteint les 10 000 euros, mais j'espère que le jour où j'atteindrai ça, je me sentirai pas mal. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'on vit dans un super pays et que voilà, j'ai aussi profité de beaucoup de choses. Mes parents ont pu bénéficier de beaucoup de choses en France venant de Chine. Donc, je serai très content de payer ces impôts. Et donc, de vivre avec 4-5 000 euros étant donné le travail, l'investissement et mes compétences, j'estime que ce n'est pas tant que ça. Et ça, j'aurais tellement aimé comprendre ça plus tôt. Parce que je me souviens encore il y a 2-3 ans, je me disais, Lingen, ce serait top si tu pouvais gagner 5 000 euros par mois. Et je ne me permettais pas de me dire ça. C'était un chiffre, j'en ai parlé qu'à un ami et je me disais, 5 000, c'est beaucoup quand même. Et en fait, ce n'est pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que quand je dis que j'aimerais faire 10 000 euros de bénéfices par mois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un mois je perds quelques clients, si je tombe malade, si j'ai envie de partir 2 mois en vacances, tout de suite, l'argent ne vient pas, ne suit pas. Okay, comme je ne suis pas salarié, s'il y a une baisse d'activité, s'il y a que la conjoncture économique est mauvaise, il faut bien que je vise un minimum 10 000 euros pour que si ça tombe à 6 000, 7 000, je puisse quand même vivre de mon activité. Et j'aurais pu aussi dire 20 000, 50 000, 100 000. Et en réalité, ce n'est pas impossible. C'est loin d'être impossible. En fait, plus je passe de temps avec des entrepreneurs qui ont réussi, plus je passe du temps à lire des entrepreneurs, à voir ce que certains entrepreneurs font, je me dis, mais c'est vraiment rien, en fait, de vouloir gagner ne serait-ce, disons, 1 million d'euros. Bien sûr que c'est beaucoup dans l'absolu, mais c'est rien par rapport à toutes les capacités, le potentiel, les opportunités qui se présentent à nous. Alors effectivement, tout le monde n'a pas le même niveau d'intelligence ou la même chance, les mêmes aptitudes. Mais on peut tous gagner bien plus que ce qu'on pense actuellement. Si par exemple, actuellement, vous dites « je veux gagner 2000 euros par mois », je peux vous garantir que vous pouvez gagner 4000 euros par mois. Si vous dites « je peux gagner 5000 euros par mois », prenez le temps de réfléchir, regardez un peu ce que font les autres et vous allez vous dire que vous pourrez gagner 10 000 euros par mois. Et peut-être que dans 3 ans, je ferai une mise à jour de cette vidéo et je vais vous dire, mais en fait, 10 000 euros, c'est pas grand-chose. Donc ça, c'était pour le 10, de 10 000. Le 20, alors pourquoi je veux travailler que 20 heures par semaine? Alors que je suis complètement passionné par ce que je fais. Quand je dis 20 heures par semaine, c'est de 20 heures de travail effectif, lucratif. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais utiliser les 2-3 autres jours aussi pour du travail qui me passionne mais qui ne va pas m'apporter forcément de l'argent. Par exemple, relancer espritvif.com, mon blog sur le développement personnel, écrire un livre avec, créer une chaîne YouTube avec mon neveu s'il veut faire ça, faire des podcasts pour inspirer les couples et les familles, écrire des livres. Et puis aussi des activités extra-professionnelles comme passer du temps avec ma famille, m'investir dans la vie d'église où je suis, m'investir dans des projets humanitaires, aller en Afrique. Voilà, et tout ça, pour accomplir ça, effectivement, je peux utiliser de l'argent pour y contribuer, mais j'ai aussi envie de dédier du temps. Okay. J'étais en Afrique à l'été 2016 et j'aimerais vraiment pouvoir tous les ans peut-être passer 1 mois, 2 mois là-bas pour pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de quand j'étais au Burkina, donc par exemple du Burkina ou des pays francophones. Et donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur, mais pour ça, il faut que je libère du temps. Je ne peux pas travailler 50 heures par semaine juste pour gagner de l'argent parce que j'aurais plus de temps pour faire autre chose. Et comme tout bon objectif, il faut avoir une échéance, un objectif en temps. Je pourrais dire je veux gagner 10 000 euros, mais ça veut tout dire et rien dire en même temps. C'est quand, comment, voilà. Moi, je veux que ce soit à l'âge de 40 ans. Donc, actuellement, j'ai 32 ans, donc j'ai 8 ans. C'est pas dingue, c'est complètement faisable. Mais c'est pas facile non plus parce que autant, je dirais même que c'est plus facile de gagner 10 000 euros par mois que de travailler que 20 heures
par semaine. Mais voilà, je me laisse un peu de temps et en même temps, j'estime que le travail, c'est pas une fin en soi. Ça sert à contribuer au bonheur des gens, au bonheur de sa propre famille. Donc, j'ai pas des ambitions à la Elon Musk ou Mark Zuckerberg à faire des millions et des milliards. Mais pour moi, c'est déjà très ambitieux. Et peut-être pour terminer, je pense que c'est important que je le dise, et ça pourrait paraître prétentieux, mais je vais vous le dire. Je suis bien plus ambitieux qu'un Steve Jobs, un Mark Zuckerberg et qu'un Elon Musk. Pourquoi ? Parce que selon mes critères, c'est beaucoup plus difficile de bien gagner sa vie et d'entretenir, par exemple, une bonne vie de famille. Et on prend un Elon Musk, par exemple, qui a vécu un divorce ou des divorces. Selon ses critères, il est bien plus ambitieux que moi. Ok, aller sur Mars, c'est génial. Mais moi, si j'arrive à bien mener ma vie sur Terre, c'est déjà énorme pour moi. Et donc, selon chacun, on a des ambitions. Et moi, je vous encourage, et si cette vidéo peut vous aider dans ce sens-là, à tracer, à écrire votre vision et à l'embrasser, à vraiment vous l'incorporer, vous le tatouer et à être ambitieux dans votre propre vision. Et pas prendre la vision de quelqu'un d'autre. Donc voilà pourquoi je voulais vous partager ce 10-20-40.